Il y avait foule au parc Jacques-Cartier mardi soir pour la journée inaugurale de la fête du Lac des Nations. On vous laisse deviner ce qui peut bien les avoir tous attirés ici. Moi, je viens pour Garou. L'artiste Garou m'amène ici. Particulièrement aujourd'hui, Garou, et demain, possiblement, pour le spectacle Boston. Pour l'organisation, on espère que cette première journée réussie laisse présager une fête plus achalandée que l'an dernier. Il fait beau. Il fait très beau même. Les gens entrent sur le site. La température a une grosse incidence sur la quantité de gens qui nous visitent. Chaque fois qu'on a fait 160 ou 170 000 personnes, on faisait nos frais. Alors, s'il y en a plus, on va y prendre. Il n'y a aucun problème là. On a fait disparaître la petite scène que tous les gens appelaient la scène jazz, qu'on a remplacée par le bistrot SOQ qui était ailleurs avant, et dans lequel on fait maintenant deux spectacles différents. Un plus de bonheur, un plus tard, avec deux artistes différents, pour remplacer la petite scène. Et ce qui nous permet d'agrandir beaucoup l'espace qu'on consacre aux enfants, chose très importante pour nous autres, c'est la relève de la fête du lac, ça, des enfants. Cette année avec Garou, puis éventuellement, ça va être la compagnie créole, les Cowboys fringants, les Trois Accords. C'est une programmation où les gens se retrouvent là-dedans. Et à commencer par Garou, évidemment, le gars de Sherbrooke qui vient faire son show. Et je pense que cette année, ça va être winner. La fête du lac, c'est toujours aussi important pour Sherbrooke? C'est toujours aussi important. C'est un événement, oui, qui est local, qui est localisé à Sherbrooke, mais c'est régional, c'est québécois. Et les gens synchronisent leurs vacances pour venir. Et surtout, il fait beau. Puis il va faire beau toute la semaine. Alors, je pense que tous les ingrédients sont là. Moi, je pense que demain, là, la journée country, qu'ils viennent donc, on va s'amuser comme des fous ici, là. Puis ça va les convaincre de venir passer la balance de la semaine avec nous autres. Venez nous voir. On fait ça pour vous autres.